compte-rendu de la deuxième réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 21 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine, la deuxième réunion du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de stabiliser le franc congolais pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Le président de la République a commencé par une communication à l'attention du membre, a rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel, il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figurent la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mis à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la Première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de Congolais soit relevé. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le renforcement de l'action diplomatique, rappelant que la diplomatie requiert, conformément à la Constitution de la République, une meilleure collaboration entre son cabinet et les ministères des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Le président de la République a insisté sur la nécessité de définir des orientations diplomatiques cohérentes vis-à-vis de nos partenaires au regard des enjeux régionaux et mondiaux. Les diplomates envoyés en poste à l'étranger devraient être capables de maîtriser tous ces enjeux. À ces propos, il a invité Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à faire le point au prochain Conseil des ministres sur la fréquence d'évaluation de la 12e conférence diplomatique tenue à Kinshasa en février 2022 et d'assurer l'implémentation des recommandations qui en sont découlées. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les mesures relatives à l'encadrement des dépenses publiques et à la lutte contre les détournements des deniers publics. Saisi des rapports de mission d'encadrement réalisés par l'Inspection générale des finances, aussi bien pour les dépenses publiques de manière générale que pour celles des entreprises et établissements publics en particulier, le président de la République y a relevé plusieurs distorsions, liées notamment à l'inobservance des textes légaux et réglementaires régissant les finances publiques, la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses, le non-respect de la procédure de la chaîne de la dépense et le non-respect des règles de passation de marché public. Il est donc inacceptable que cette situation sape les efforts consentis pour assainir les finances publiques de l'État et permettre la prise en charge responsable des engagements de l'État définis dans le budget. Elle ne devrait donc pas non plus servir d'ailier à ceux et celles qui veulent pérenniser les antivaleurs et autres pratiques décadentes de corruption, des détournements et d'enrichissement illicite au détriment de notre population. À cet effet, l'inspecteur général des finances a été instruit par le président de la République de mettre à la disposition de la Première ministre les rapports y relatifs. De son côté, la Première ministre a été encouragée à mettre à la disposition de membres du gouvernement
de la Banque centrale et des mandataires publics en ce compris ceux des régies financières, les recommandations formulées par l'Inspection générale des finances en matière d'encadrement de recettes et des dépenses publiques, de s'assurer du suivi, de la mise en œuvre de toutes les recommandations, d'instruire le ministre du portefeuille à instaurer les contrats des mandataires publics des entreprises bien élaborés pour permettre leur évaluation, instruire le ministre d'État, ministre de la Justice, d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics. Le président de la République a souligné aussi la nécessité de préserver les acquis obtenus pendant cette période de contrôle, tout en rappelant qu'une évaluation globale de dites recommandations sera faite dès l'entame de l'année 2025. Le point 4 de la communication du président de la République a porté sur les contrats de mandat et de performance dans les entreprises de l'État. Au cours de sa communication à la 96e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 avril 2023, le président de la République avait exprimé sa préoccupation sur la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'État, qui chaque année signe des contrats de performance avec les mandataires de l'État au sein de ses entités. En exécution de son instruction, la ministre du portefeuille avait évalué les entreprises au cours de l'exercice 2023 en s'appuyant sur les critères fondés sur les chiffres d'affaires, la valeur ajoutée, les résultats nets. Cette méthode d'évaluation a montré ses limites parce que ne s'appuyant sur aucun plan de redressement ou encore plan stratégique. Eu égard à l'efficacité des dispositifs à mettre en place pour assurer les suivis et évaluation des activités de nos entreprises, le président de la République a relevé la nécessité de la tenue des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État en vue de poser les diagnostics de chacune d'elles et y proposer les plans des redressements avec les objectifs à court, moyen et long terme qui permettront de faire signer à chaque mandataire un contrat de performance adapté aux difficultés financières, techniques et opérationnelles de chaque entreprise. Considérant que les entreprises du portefeuille, y compris les établissements et services publics, devraient être la colonne vertébrale de l'activité économique et industrielle de notre pays, le ministre du portefeuille a été chargé, ainsi que les ministères sectoriels concernés, à se pencher sur la question et de proposer dans un délai de 30 jours des solutions idoines. La première ministre, quant à elle, devrait en assurer la coordination. En ce qui concerne les divergences constatées de plus en plus entre mandataires, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, ou encore entre directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, tendant à paralyser la vie des entreprises publiques et établissements publics et rendant inefficace de ces faits leur action et impact sur leurs résultats, la première ministre a été encouragée à clarifier, au regard des textes légaux et réglementaires en vigueur qui existent, les rôles, les attributions des différents mandataires et envisager un séminaire de réflexion afin de permettre à chacun de s'imprégner de son rôle effectif. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de l'assainissement du climat des affaires. Le président de la République a réaffirmé son engagement à faire de la question de l'amélioration du climat des affaires un pilier fondamental et incontournable des politiques publiques visant la définition et la mise en œuvre des réformes qui rencontrent les doléances des opérateurs économiques. Il a noté les efforts réalisés par les différents ministères réformateurs durant les quinquennats passés, tout en constatant que les attentes sont encore importantes étant donné le faible taux de réalisation de réformes. La première édition du baromètre national du climat des affaires, ainsi que d'autres rapports ad hoc ont confirmé que les opérateurs économiques sont confrontés à des difficultés réelles qui demandent de s'y pencher. Le gouvernement s'était engagé à prendre des réformes et mesures pratiques conformes et appropriées aux problématiques que rencontrent les opérateurs économiques en vue de rendre l'environnement des affaires beaucoup plus favorable et attractif. Le président de la République a réitéré donc sa volonté de poursuivre l'évaluation des réformes et entrées à l'amélioration du climat des affaires
Et dans cette optique, il a chargé la Première ministre d'accompagner les différents ministères réformateurs afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. La primature, les ministères du plan, la cellule climat des affaires, ainsi que tous les autres services ayant en charge la question du climat des affaires, d'identifier dans les plus brefs délais et c'est en attendant les développements d'un plan stratégique pluriannuel des actions prioritaires à exécuter et de poursuivre avec le mécanisme de suivi et évaluation déjà expérimenté. Il va de soi que ces initiatives devront être précédées d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre de réformes jusqu'à ce jour. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a d'abord salué la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa Matamela, qui illustre les bons états des rapports entre les deux États. Elle a ensuite rappelé quelques repères pour assurer un bon fonctionnement du gouvernement et garantir son efficacité. En effet, les membres du gouvernement sont tenus de se conformer à l'article 99 de la Constitution, leur demandant de déposer devant la Cour la déclaration écrite de leur patrimoine familial. Ils sont également appelés à s'imprégner des 6 engagements du président de la République qui s'inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis. La première ministre a insisté sur la stricte observance des limites prévues concernant le nombre des membres de leur cabinet respectif, de la présence exigée et l'assiduité aux réunions du Conseil des ministres et des commissions interministérielles, ainsi que du respect des délais de 7 jours requis pour solliciter une demande d'ordre de mission et ou autorisation de sortie. Elle a enfin formulé quelques recommandations, notamment en ce qui concerne la communication pour préserver la cohésion, la cohérence et la bonne image du gouvernement. Avant de clore son intervention, la Première ministre a informé le Conseil qu'une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo et de ses experts se rendra à Paris le 27 juin 2024 pour la cérémonie de passation des flambeaux entre la République démocratique du Congo et l'Arménie, prochain pays organisateur de Jeux de la Francophonie prévu en 2027. Conformément au règlement du Comité international de Jeux de la Francophonie, notre pays en tant que pays hôte de la dernière édition, qui s'est déroulée du reste avec succès sous la houlette du président de la République, va accompagner l'Arménie durant les 4 prochaines années en vue de partager son expérience. La ministre déléguée près la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, a été instruite de prendre des dispositions quant à ce. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les faits saillants du rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des appels nombreux concernant la situation humanitaire des déplacés dans les zones opérationnelles, l'attente des populations, des provinces de voir les nouveaux gouverneurs à l'œuvre après leur investiture sur ordonnance présidentielle, la recrudescence du banditisme et la criminalité dans les principales villes et agglomérations urbaines, l'inquiétude de la population face à la perte du pouvoir d'achat des gains petits consécutifs à la décote de la monnaie nationale face à la devise étrangère, principalement le dollar américain. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué les efforts déployés par les forces de sécurité contre la montée du banditisme et de la criminalité dans certaines villes du pays, en proie à des vols à main armée, braquages, extorsions, kidnapping, phénomènes Kuluna et vols de câbles électriques. Il a rassuré de toute l'attention du gouvernement quant à ce. Au plan politique,
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil qu'il a notifié les 15 gouverneurs élus et investis par ordonnance présidentielle afin de leur permettre de rejoindre leur poste et procéder à la remise et reprise avec les sortants. Il a poursuivi son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de clôturer sur la situation aux frontières et en rassurant du suivi étroit que le gouvernement réserve à toutes ces questions. En complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rapporté au Conseil la situation opérationnelle qui demeure globalement calme sur l'ensemble du pays, excepté dans les zones de la partie est où nos forces armées font preuve de bravoure, de vigilance et sont déterminées à rétablir la paix et la sécurité et à restaurer l'autorité de l'État. Dans les Nord Kivu, les opérations de contre-offensive et de défense du territoire national sont menées par nos forces contre l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. En Ituri, la traque des ADF MTM qui s'illustre par des incursions causant la mort de possibles citoyens dans les territoires des Beni, Lubero au Nord Kivu ainsi que Mambasa et Irumu. Au sud Kivu, l'intervention de forces armées de la République démocratique du Congo vise à contenir la violence des divers groupes armés qui s'affrontent dans certains espaces du territoire de Fizi, rendant difficile la libre circulation de personnes et des biens. À l'ouest, la situation qui tend à se stabiliser dans le Grand Bandundu, quelques cas de troubles à l'ordre public par les assaillants Mobondo sont pris en charge par les forces de sécurité dans la périphérie de la commune de Maluku et évidemment il y a des patrouilles qui se font en profondeur. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a informé le Conseil de la tenue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville en République du Congo de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Née dès la décennie mondiale de l'afforestation, en marge de la 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 à Sharm el-Cheikh, ces assises procèdent de la nécessité de tisser une sorte de trame entre les cadres stratégiques, accords, conventions, initiatives et leçons apprises, se rapportant à l'échelle planétaire aux thématiques d'afforestation et de reboisement. L'objectif de cette conférence est la définition d'une stratégie visant l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement. Cette conférence sera structurée en trois composantes, à savoir session des experts, session ministérielle et sommet des chefs d'État et de gouvernement devant analyser et adopter les propositions des recommandations de la conférence. Au cours de ces assises, la République démocratique du Congo partagera son expérience en matière de la gestion durable et de la conservation des forêts, de la gouvernance forestière et de la lutte contre la criminalité forestière, les succès du programme présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres, la finance climat, ainsi que les bénéfices accordés aux populations locales. Fort de son potentiel environnemental, la République démocratique du Congo, qui la place comme pays solution face aux enjeux du climat, notre pays devra continuer à jouer pleinement son rôle de leadership au sein du bassin du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Présence de la radioactivité dans les exportations de la campagne minière de Moussonoï SAS. Le ministre de Mines a informé le Conseil du rapatriement au poste frontalier de Lukabanga à Sakania, de 12 camions contenant des lots d'hydroxyde de cobalt appartenant à la société Comus SAS ayant été interceptés et contrôlés à la frontière entre le Botswana et la République sud-africaine avant d'être retournés au motif que le taux de radioactivité testé serait supérieur au seuil autorisé par la réglementation internationale. Une réunion des crises a été tenue pour examiner les faits rapportés. Et au terme de celle-ci, il a été décidé
de la suspension des activités de la société Comus comme mesure conservatoire depuis le 11 avril 2024, l'envoi sur site d'une équipe interservice du ministère de Mines avec comme objectif de vérifier le respect du manuel de procédure lors de l'exportation des produits miniers retournés au pays, enquêter sur les sources probables de la teneur élevée de la radioactivité dans le produit marchand exporté par cette société et évaluer sur toute la chaîne d'exportation les risques liés à la présence des matières radioactives. Le ministre des Mines a préconisé une rencontre des conciliations mines-recherche scientifique avec les autorités compétentes sud-africaines et botswanaises afin de trouver un terrain d'entente au regard des réglementations appliquées dans différents pays en matière de radioprotection telles que dictées par les commissariats généraux de l'énergie atomique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Célébration de la journée nationale du poisson. Le ministre de la Pêche et Élevage a informé les conseils des préparatifs de la célébration de la journée nationale du poisson ce 24 juin en République démocratique du Congo. Parlant de l'importance de cette activité, le ministre de la Pêche a souligné que cette journée promeut la réhabilitation et l'intégration du pêcheur dans la société tant que la prise de conscience de la noblesse de son métier a amené ces derniers à l'autoprise en charge dans l'entrepreneuriat et à jouer son rôle de partenaire économique du gouvernement. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la première réunion ordinaire du Conseil de ministres a tenu le 14 juin 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un texte, projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 26 juin 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Avant d'élever la séance, le président de la République a informé le Conseil avoir pris acte de la démission de Mme Stéphanie Mbombo Mwamba du gouvernement. Elle était ministre déléguée chargée à la nouvelle économie du climat. Commencée à 13h50, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h31. Je vous remercie.